Et salut Mélodie, salut Twitch. On va continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. C'est-à-dire qu'on était arrivé avec Maria au Brookhaven Hospital où on cherchait la petite Laura qui s'était enfuie du cinéma et qui a couru jusqu'à l'hôpital. C'est parti. Hop, et on s'était arrêté dans le bureau d'accueil. Alors là, c'est quoi déjà? Ah oui, il y avait un code à trouver. Pour une fois, j'ai pas la notif une minute après le début du live. Ah, au moins tu l'as, même si c'est une minute après, c'est pas trop grave, mais je sais que des fois on n'a pas toujours les notifs avec Twitch, c'est un peu bizarre. Hop, donc ouais, là j'ai rien laissé d'autre. Donc on va essayer de trouver le code. Alors. Là, c'est fermé. Là, bah, ça va être fermé aussi. Hop, ça on l'avait fait juste avant de terminer le live la dernière fois. J'irai dans le couloir juste après. Je vais voir si on n'a pas des choses à ramasser par là. Ah. Un tableau. Brookhaven Hospital, fer 1920. C'est un vieil hôpital. Alors je sais plus, ouais, on avait dû arriver de. Ouais, on arrive de cette porte-là, logiquement. Et là, ça doit être dehors, mais du coup, on peut pas y retourner tout de suite. Est-ce que là, j'avais ramassé des trucs? Je me rappelle plus. Ah si oui. Ça nous disait que c'était le. Maria faisait la remarque qu'il y avait des armes dans un hôpital et que en plus c'était vide, donc c'était pas bon signe. Ok, alors on va aller voir par là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Exam room 1. Alors. Là, c'est intéressant aussi parce que ça nous tease entre guillemets plein de problèmes que les personnages peuvent avoir, donc l'alcool, l'anxiété, la drogue, enfin ou du moins la dépendance. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Rappel, si vous avez ces symptômes, manque d'appétit ou perte de poids, insomnie ou hypersomnie, perte d'intérêt ou de plaisir pour vos activités habituelles, sentiment d'inutilité, diminution des capacités de réflexion ou de concentration, contactez votre médecin généraliste immédiatement. Hop. Effectivement, parce que ce sont les premiers signes de dépression. Ou d'épisode dépressif tout du moins. Alors là, on a tout un tas de portes. Ça me donne envie d'écrire un roman d'horreur dans un hôpital psychiatrique. Bah, vas-y, hein. Fais-le. She likes me very much. But why? I don't know. Donc ouais, un lapin, petit papillon, une fleur et un loup qui semble derrière un peu menaçant. Alors, je vais aller un peu contre le jeu, c'est-à-dire que je vais pas aller chercher Laura tout de suite. On va faire un petit peu là ce que j'avais pas fait, on reviendra dans l'escalier après. Et à la limite, je vais me retourner complètement en arrière, je vais faire le couloir que j'avais pas fait là-bas. Hop, là c'était fermé, on avait dit. Histoire de laisser le rez-de-chaussée fait, entre guillemets, avant d'aller plus loin.
des cigarettes dans le mince, dans la cuve des WC. Quelqu'un qui se cache pour fumer, visiblement. Là aussi. Là, c'est fermé. Et c'est fermé. Ok, donc on n'avait pas loupé grand-chose. Il y avait peut-être là-bas où j'avais pas essayé d'ouvrir, je sais plus exactement. C'est fermé aussi. Maria qui nous colle toujours autant. Ici, je sais plus. On en vient là, non? Non, pas du tout. Autant pour moi. C'est fermé. Il n'y a pas de courant. Alors, gardez la porte fermée. Elle est fermée, mais il y a une vitre. Effectivement, on a eu un gros bruit et une sorte de tremblement. Non, mais là, la porte était fermée, donc ça justifie quand même. Et s'y est peut-être habitué à force du coup. Alors, j'ai noté ça de façon à ce que tu puisses enfin t'en souvenir. Une fois à l'accueil, regarde autour de toi et n'oublie pas. Infirmière, médecin, arbre. Infirmière, médecin, arbre. Ok. Et là, on n'a rien noté. Hop, donc là, on va pouvoir ouvrir. Des balles de fusil à pompe. Un indice pour le coffre, peut-être, ouais. Je sais pas ce que me dit la carte, d'ailleurs. Alors, infirmière, médecin, arbre. Cadenas. Réception. Et ben on va, je vais retourner vite fait, ouais, dans le hall d'entrée, là. Alors, j'ai pas essayer les portes là-bas, mais je pense qu'elles doivent être fermées, logiquement. Et là aussi. C'est moi ou c'est la radio qui... Ouais, non, ça devait être moi. J'avais cru entendre la radio se déclencher un petit peu. Alors, voyons voir si ça peut nous aider à trouver le code, pardon. À moins que ça soit une autre énigme. Élever la tête vers ça, du coup. Alors, docteur Hughes et docteur Atkinson dans le jardin. Alors, est-ce qu'on a un numéro? Ah, peut-être le nombre qu'ils sont. Salut Anthony! Tiens, dans la meilleure partie du jeu, pour le moment, car je n'ai pas encore terminé le jeu. Ah bah, Brookhaven, oui, de toute façon, Brookhaven, c'est toujours un classique, hein. Un grand classique. Donc c'était quoi? C'était infirmière, médecin, arbre. Alors ça va peut-être être le nombre qu'elles sont sur les tableaux. Donc il lui répond pas.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc infirmière, médecin, arbre. Donc on avait 7, 2. Et est-ce qu'on avait des arbres peut-être sur la photo là-bas? 7, 2, 4, du coup. On va essayer ça. Oui, il y a clairement des changements, des ajouts et tout ça, quoi. Et c'est très bien amené. C'est très bien foutu. Donc j'avais dit 7, 2, 4. On va essayer ça. Oups, 7, 2 et 4. Et voilà, c'était bien ça. Alors, sous-sol. Ah, ça, par exemple, c'est ce genre de petits dialogues qui sont ajoutés et qui donnent plus de vie. Bah, forcément, c'est des choses qu'on n'avait pas encore forcément dans les jeux il y a plus de 20 ans. Donc, il y a plus d'interactivité, il y a plus de tout ça, quoi. Alors. This place feels so empty. More than the other places we've been. C'est pas faux. Donc, on va quand même retourner par là-bas parce que mine de rien, on avait vu Laura. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas quoi penser de James. D'un côté, j'adore le personnage, mais de l'autre, je le trouve bizarre, voire pas impacté par ce qui lui arrive. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Sans spoiler, oui, c'est fait exprès. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que James. Je pèse mes mots en fait, je cherche mes mots pour pas trop spoiler, mais on doit ressentir autant de l'attachement que une forme de malaise, tu vois, face à ce personnage. Et comme tu dis, ouais, il y a ce sentiment qu'il est un peu apathique face aux choses qui arrivent, un peu rigide, un peu tout ça, quoi. Et en même temps, tu as envie que de l'accompagner dans ce mystère, quoi, de trouver sa femme et de pourquoi il a reçu une lettre, etc., etc., quoi. Mais je vais pas en dire plus parce que sinon. Alors, soit je monte pour essayer de suivre Laura, soit je descends, vu que j'ai une clé du sous-sol. Je vais peut-être descendre d'abord, on va voir. Alors. D'ailleurs, je suis à combien de balles de pistolet? Je suis pas trop mal. C'est plus les boissons de soins qu'il me faudrait un petit peu plus. Clé du sous-sol, hop. Alors, voyons voir. En fait, je suis tenté d'aller dans le sous-sol. Et en même temps, j'ai envie de suivre le jeu un petit peu parce que bah, on a vu Laura dans la cinématique précédente monter à l'étage. Je me dis que si on doit nous envoyer au sous-sol, on nous en y enverra après. Ouais, je vais essayer de suivre le jeu un petit peu en fait. Parce qu'instinctivement, on a quand même envie d'aller voir où est Laura. J'espère. Alors, plouf plouf. Ouais, ça. J'espère qu'ils proposeront d'autres remakes à l'avenir pour découvrir un peu plus cette licence. J'ai entendu dire que le remake du 3 sera en préparation. Et puis géré par la Bloober Team. Bah, franchement, ouais, moi, enfin. Alors moi je suis pas très objectif parce que je suis complètement fan des Silent Hill, mais oui, les remakes s'imposent absolument pour que la licence, pour faire connaître la licence à ceux qui l'ont pas connue il y a 20-25 ans. Et puis quand tu vois voilà, c'est ça, ouais, le très bon taf qu'ils ont fait sur celui-là, bah t'as qu'une envie, c'est de revoir les autres avec avec ce qu'ils ont fait là, en fait, avec la technologie qu'ils ont fait là, le travail qu'ils ont fait là, quoi. Donc, ouais, mais ça me fait plaisir, tu vois, justement que tu dises ça, parce que justement, tu vois, ça montre qu'il y a un potentiel pour Silent Hill, quoi. On attend le remake du 4 et de Dawn pour. Ouais, mais moi j'attends aussi le remake du 1, mine de rien,
parce que lui, il a jamais eu de portage, il a jamais eu de remake. Et mine de rien, bah, le 1, ça reste quand même le premier qui lance le tout, quoi. Et je pense que l'avantage des remakes, c'est que maintenant, ça pourrait corriger, par exemple, des petites incohérences ou rajouter encore plus de lore qui lie tous les jeux. Et c'est vrai que ça serait pas mal parce qu'il y a le 1, il y a Origins, donc qui se passe juste avant le 1, enfin juste avant, quelques années avant le 1, ou 0, parce que ça dépend des pays, il est appelé soit 0, soit Origins. Et celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il était sur PSP et PS2 à l'époque. Et puis Shattered Memories aussi, qui était que sur Wii et PS2. Et celui-là, il est vraiment très très bien aussi. C'est une autre approche encore. Enfin, tous ceux qui ont été faits en gros sur PS2, j'aimerais beaucoup des remakes. Ça serait vraiment pas mal, ouais. Mais après, ça fait beaucoup, quoi. Oui, j'ai vu beaucoup de monde crier, car pour eux, faire un remake du 3 avant le 1, ce serait une mauvaise idée. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que les deux sont liés, c'est ça. En gros, on peut presque faire une sorte de trilogie, c'est-à-dire Origins, ou 0, le 1, le 3. En fait, ça fait vraiment une trilogie. On pourrait presque inclure aussi. Comment dire? Mince, je viens de le citer. Shattered Memories, d'une certaine manière, même si c'est une sorte un petit peu de timeline alternatif, parce que ça propose. Enfin, encore que, non, on pourrait le placer après le 3, en fait, d'une certaine manière. Ouais, enfin, au moins Origins 1 et 3, ça c'est sûr qu'on pourra en faire une trilogie. J'arrête pas de confondre Origins et Shattered Memories, je croyais que c'était les mêmes. Non, 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 du tout, du tout. Origins, c'est vraiment avant le 1, toute l'histoire avec la secte, la création, entre guillemets, d'Alessa, etc., quoi. C'est vraiment ce qu'on nous parle, en fait, dans le 1 et dans le 3. Qui là pour le coup on le joue quoi. Shattered Memories c'est vraiment encore autre chose. Et du coup le 2 et le 4 d'une certaine manière sont un tout petit peu liés. Mais lequel qui se passe dans la neige c'est Shattered Memories du coup. Où justement bah, c'est la mémoire piégée dans la glace un petit peu si on devait traduire. Mais ouais, faire le remake du Origins 1 et 3, pour moi, ça me semble quand même important, quoi. Surtout, ouais, comme tu dis, Anthony, quoi, s'ils commencent déjà à travailler sur le 3, apparemment, ah, ça sera dommage de pas faire le 1, quoi. Bref, j'avance. T'as aucun souvenir de Origins? Alors je sais pas si je l'ai refait avec toi parce que c'est vrai qu'il est sorti avant qu'on soit ensemble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Cela dit, Shattered Memories est sorti aussi avant. Mais Origins est un peu plus ancien. Pourtant, je l'ai refait plusieurs fois, Origins. Je l'aime beaucoup. Bah, ça sera peut-être l'occasion de le refaire sur PS2 s'ils font pas de remake. D'accord, c'est fermé. Du coup, je suppose qu'il faut aller au sous-sol, rétablir le courant pour prendre l'ascenseur et à tes souhaits. Alors, en live, ça va être dur vu qu'ils sont que sur PS2. Alors, mais ouais, c'est franchement une très bonne surprise ce Silent Hill 2 remake. Il y a des défauts, certes, mais c'est du très bon. Juste l'absence d'une VS qui me gêne vraiment énormément. Oui, bah oui, comme tout jeu, il y a forcément des défauts, évidemment, hein, tout n'est pas parfait, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit quand même aussi bon, quand même aussi travaillé, même les ajouts, tu vois, et même par exemple, tu vois, ce qu'ils ont. Ah. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pour vous si vous voyez toujours quelque chose. Ah non, c'est ma télé. Alors, ok, d'accord, c'est revenu. C'est revenu. En gros, ma télé a perdu le comment dire, le signal du câble HDMI. Je ne sais pas pourquoi. Ça a duré 2 secondes, mais bref, je sais plus ce que je disais.
Ah oui, Orange qui a buggé, d'accord, ok, c'est pour ça. Ça, ouais, ok. Mais ouais, que ça soit les ajouts ou les petites choses qu'ils ont enlevées pour que les ajouts collent, ils les ont replacés en fait via des easter eggs, bah, typiquement la tenue que Maria regarde dans le motel, qui est sa tenue d'origine en fait, la tenue de Christina Aguilera. Enfin voilà, ça a été fait très intelligemment. Et c'est vrai que voilà, quoi, si je m'attendais pas vraiment à autant de qualité, autant d'amour sur le jeu, quoi. Et je suis vraiment très très bien, enfin très très agréablement surpris. Donc je demande que à ce qu'ils fassent d'autres remakes, forcément. Et ouais, alors l'absence de la VF, moi ça me gêne pas trop, parce que de toute façon, bah, je l'aurais pas utilisé, mais ça je peux comprendre. Et c'est vrai que de toute façon, il n'y avait pas de VF sur les jeux d'origine, donc ça me dénature pas trop le truc. Mais je peux comprendre qu'en effet, ils auraient pu ajouter une VF, parce que là, on a le choix qu'entre le japonais et l'anglais. Mais ouais, moi, ça me gêne pas plus que ça, quoi. Mais je comprends que ça puisse être embêtant. Alors, bah, du coup, allons au sous-sol. Alors, la carte du sous-sol, la chaufferie, chaufferie, débarras, blanchisserie, la maintenance, hop. Et elle veut pas attendre 2 secondes? Je regarde le plan, moi. Ouais, c'est fermé aussi. Alors, attendez, parce que du coup, le plan. Donc, celle des pompes locales techniques, celle des déchets. Tiens, ils ont pas de morgue. Donc pas de morgue en sous-sol. Je vais voir avec toi pour savoir si la DA te dérange sur certains points, car j'ai une drôle d'impression par moment, comme avec tous les jeux qui utilisent Unreal Engine. Alors honnêtement non, mais c'est parce que c'est pas un truc auquel je fais attention spécialement. C'est-à-dire que pour moi, si tu veux, c'est tellement fidèle au jeu d'origine que j'adore en fait quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment ce sentiment très étrange de je retourne au même endroit 20 ans après. C'est exactement, alors j'allais dire pareil, c'est exactement pareil au sens où bah forcément les graphismes de l'époque ne l'étaient pas, enfin n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais du coup c'est exactement comme ça que je le fantasmais ou que je l'imaginais quoi, en jouant avec les graphismes de l'époque. Donc non, après il y a beaucoup de symboliques dans le jeu qui font que il peut y avoir certaines rigidités ou certains choix bah, qui sont symboliques aussi à la psychologie de James ou des autres personnages. Donc des fois c'est voulu, après ça peut peut-être être des défauts, hein. Mais globalement non, j'ai vraiment l'impression de replonger dans le même jeu qu'il y a 23 ans, quoi. J'ai l'impression que c'est graphiquement quelconque, genre, alors attends, faut que je regarde sur l'ordinateur, genre ça a pas sa patte contrairement à Resident Evil, on voit que donc c'est la patte Capcom aussi. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont voulu énormément coller aux deux aussi. Là, je saurais pas me prononcer réellement là-dessus. Ouais. Après, les moteurs maison doivent coûter plus cher aussi. Donc là, je connais pas trop le budget, enfin, ou du moins les capacités de Bloober Team. D'autant que bah, ils ont fait revenir la Silent Team d'origine aussi. Donc j'imagine que ça a dû coûter un petit peu, parce que bah, maintenant, par exemple, des mecs comme Masahiro Ito ou Akira Yamaoka, c'est entre guillemets, des dieux dans leur profession. Donc
Et je pense que Konami n'a pas opté pour ça car ils ont assez de crises. Ouais, il y a peut-être ça aussi parce que comme c'est un remake, peut-être qu'ils ont pas pris tant de risques ou ils ont peut-être pas injecté tant d'argent que ça. Je sais pas exactement. Je pense que c'est un coup d'essai un peu aussi pour voir si la licence peut revenir. Et bon, là, avec 1 million de copies vendues en moins d'une semaine, je pense que c'est quand même. Faudra voir la suite hein, les prochaines semaines, mais je pense que c'est déjà un bon départ au moins. Ça, c'est sûr. Puis après, avec le bouche à oreille, tout ça, la période d'Halloween qui peut jouer. Ouais, en plus, comme tu dis, ils ont annoncé d'autres projets déjà, donc on sait que c'est pas. C'est un coup d'essai sans être que un coup d'essai, quoi. C'est. Ouais, donc là, il va me falloir de l'essence. Mais franchement, entre le petit jeu gratuit qu'ils avaient mis et ce remake, je trouve qu'on repart sur des très bonnes bases, quoi. Ah, est-ce qu'il y a un monstre ici ou c'est. Non, ça doit être de l'autre côté de la porte. Il n'y a que l'espèce de série alternative avec les choix des joueurs et tout que j'ai pas suivi du tout. Le concept était intéressant, mais je trouve que dans l'exécution, c'est. Enfin, j'ai pas suivi quoi. Donc, je trouve que c'était pas le plus accessible quoi. Alors. Ah, elle est sortie, elle est terminée même. Je sais plus si c'était un épisode par semaine. Et puis bah après en fonction des choix des joueurs aussi ça peut sûrement jouer sur la. Hop là! Oh l'enfoiré! Par où elle est sortie? De par là du coup hein? Saloperie, ou alors je l'avais pas vu au départ. Alors, je suis un peu blessé. On va voir. Donc je suis arrivé de là. Il y avait en face, donc on a vu le monstre. Il y a là et il y a là. Alors là, ça m'a l'air fermé de toute manière. Ouais, c'est fermé. Ça me fait chier. J'ai pas envie de prendre la boisson déjà, mais j'en ai qu'une de mémoire. Alors où ça? Ah oui, bien vu. Ça, c'est vraiment des monstres les plus durs à repérer parce que généralement ils se cachent bien. Et ils sont plutôt bien dans le décor, et comme on les entend pas à la radio, ceux-là, ils n'ont pas d'interférence. Je vois l'ambiance du jeu, je comprends vraiment pourquoi la Bloober Team était très mécontente du choix de Konami quand ils ont balancé le fameux trailer qui m'avait grave refroidi. Ben ouais, je sais pas. Ça donnait pas du tout le ton du. Ah, alors il y en a un autre là. Le ton du jeu. Parce que c'est vrai que le choix de faire un trailer, c'était quoi? C'était gameplay, action, enfin, ou action, gameplay, trailer, je sais plus trop. Alors que bah, Silent Hill, c'est pas un jeu d'action réellement, quoi. Ça va à l'encontre du. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action ou quoi, hein, mais ça va à l'encontre du truc un petit peu quand même, quoi. Bidon vide. Ok.
Alors, choses qui vont manquer. Eau de javel, lessive pour linge blanc, amidon, drap blanc. La quantité d'eau de javel utilisée est démentielle et pourtant les draps ne sont pas plus blancs. Je ne veux rien savoir, il faut arrêter ça. Donc là, on a un chariot à pousser. On pourra sûrement pousser par là-bas. Je veux voir avant. Pour être sûr de dégager le terrain. Ça, c'est quoi ça? C'est un monstre, oui. Alors, est-ce qu'on a des choses à ramasser par là? Avant de pousser le chariot, en fait, je vais faire le sous-sol parce que j'ai vu que ça tournait par là-bas aussi. Avant de passer dans cette pièce-là, on va essayer de nettoyer le sous-sol le plus possible. Là, il n'y a rien à ramasser. Là, ça va être fermé logiquement. Le but, c'est de nous inciter à prendre le chariot. Ah zut. Ah bah c'est glauque, ouais, ça c'est sûr. Hein. Et pourtant, ça reste plus propre que... Oups! Oh, la vache! Saloperie! Ah, mais... Voilà, normalement on devrait pas se relever. Effectivement, pas en très bon état. Trois boissons revigorantes. Ouais, mais là, vu dans l'état où je suis, je vais prendre la seringue directement. Hop. Alors, exit. Ouais, je vais peut-être faire du coup le chariot avant d'aller plus loin. Hop, le chariot était dans cette pièce-là. Faire avoir bêtement. Mais à mon avis, il y a peut-être un truc qui va nous sauter dessus dans un angle mort. Hey. Don't worry. I'll be right back. You better. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hôpital de Brookhaven 1932. Ouais. C'est pas tout jeune tout ça. Même si le jeu se passe en 83, si je dis pas de bêtises, ça fait un hôpital qui a quand même plus de 50 ans. Tu vois, t'as des moments où t'as une icône et lorsque t'appuies dessus, ça enclenche une musique. Et ça éloigne la caméra de James, ça a une signification. Je ne sais pas trop.
Il faudrait que je sois plus attentif à ça, du coup. Mais c'est pas impossible que c'est une signification, ouais. Hop. Alors. J'ai pas trop vu sur les réseaux sociaux du coup de Konami ou de Bloober Team, mais je sais pas s'ils ont fait un peu des vidéos making of comme ils ont fait sur pour Alan Wake 2 par exemple. Mais ça serait intéressant parce que dans le jeu d'origine en fait, avec le jeu, il y avait un deuxième DVD et le deuxième DVD en fait était justement un making of où bah il y avait toute la Silent Team qui expliquait. Bah, les processus de création, les symboles, justement, le symbolisme, etc., quoi. Et ça serait intéressant à voir, justement. Je vais devoir y aller. Bon, live à toi, je regarde live. Yes! Bah, merci beaucoup d'être passé, Anthony. Et puis, bah, bonne fin de journée à toi. Non, on n'a pas encore eu ça. Ok. Bah, ça serait intéressant qu'on ait ça. Hop, alors. Alors, on a la radio qui grésille. Ah non, ça je l'avais déjà tué du coup. Je ne sais plus le générateur où il était. Oh putain! Tout à l'heure. Alors, je vais juste hop, boire un petit coup. Voilà. On va retourner mettre l'essence dans le générateur avant de continuer plus loin. Ça, je l'avais lu. Du coup, ça, c'est bon. Là, on était allé ici. Ah, bah, encore une. Ok. Ok, le générateur est là. Ok, alors par contre on n'avait pas fait tout le sous-sol. Qu'est-ce qui nous manquait? Ouais, et ben je vais aller voir par là-bas du coup. Alors, il y avait ça ici. Ok. Ah bah, il y a peut-être des choses à... Ah bah non, on était arrivé de par là, je suis bête. Oui, on était arrivé de par là. Ok. Et oui, et là, c'était fermé tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, l'élévateur qui est là.
En fait, j'ai l'impression que j'ai fait un tour. Local technique, elevator. Donc j'étais pas allé dans cette pièce-là, parce que là je vois une. Où c'était fermé. Alors je vais sûrement me faire sauter dessus. Non, c'est bon. Ok. Hop, des balles. Hop, d'autres balles. Et c'est tout. Et par là, non, il n'y a rien à... rien à faire. Hop. Et alors, est-ce que j'étais allé ici? Je ne sais plus. Logiquement, oui. Ouais, si, 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 ce qu'on tourne là. Et ah oui, donc j'aurais pu revenir par là, en fait. Bon, c'est pas grave. Allez, allons dans l'ascenseur. Hop. Alors, je sais même plus. On va essayer le 1, on va voir où ça nous mène. Parce que là, j'étais au sous-sol, donc le 1, ça va être le rez-de-chaussée. Donc, logiquement, Laura allait aller au 2. Mais c'est pas grave, c'est pas... Ça va nous faire ouvrir au moins le niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Ouais, ok. Et... hop là. Okay. I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you hurt? It's nothing. Probably just a hangover. Maybe you should rest. Yeah. Ouais, alors vu l'état du matelas. I'm gonna go look for Laura. I'll be back as soon as I can. James? I wanted to ask you. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Hop là. Alors si on essaie de re-rentrer... Ouais, si on peut re-rentrer, ouais, comme à l'époque. Et je crois... Ah non, là, y a pas. Il semblait qu'on pouvait voir quel type de médicament elle prenait. Sorry, I just need a moment. I'm all right. I'm just tired. Hmm.
Ok. Bon. Alors là, par contre, c'était intéressant, cette... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Occupez-vous de l'essentiel, laissez-nous générer le reste. Centre de soins palliatifs de Toluca. Alors, cette fenêtre ouverte là-bas était intéressante. Je me rappelais plus qu'on avait forcément ça. Ah! Alors là, on a un carré rouge pour sauvegarder. Je vais d'abord aller vers ça, du coup. Je vais ramasser la petite boisson. Est-ce qu'on a autre chose là? Non. Hop, je vais en faire une autre. Hop là, c'est parti. Donc ouais, là-bas, il y a une chose intéressante qui est la fenêtre ouverte, qui me semblait pas qu'on avait dans le jeu de base. Mais c'est très très intéressant de voir justement, voilà, il y a de l'orage, il y a la pluie qui tombe, le vent, enfin il y a de la tempête en fait, quoi. Et on sait qu'à chaque fois qu'il y a de la tempête, généralement, c'est un peu un moment de transition entre le Silent Hill normal, entre guillemets, un peu vide, où on peut se balader à peu près tranquillement, même s'il y a des monstres, et un Silent Hill bah, plus dans le nowhere, comme on dit, hein, dans le langage Silent Hill. Hop, donc là, on a un escalier de service. Ok. Oui, je pense qu'on va passer dans le nowhere dans peu de temps, ouais. Et de mémoire, je sais pas s'ils vont le reproduire de la même manière que dans le jeu d'origine, mais c'est toujours intéressant. Enfin, c'est un moment intéressant. Hop. Oups, rien dans le tiroir. Rien dans le tiroir non plus ici. Ok, alors on a quand même des traces de sang sur le mur. Là aussi, on a une peinture qui est assez étrange. Ok, les chambres ne donnent pas envie. Ah bah ça c'est sûr que... Mais c'est à peu près dans le même état que l'hôpital public en France, donc on n'est pas si dépaysé que ça. Malheureusement. Là y a rien. Là y a rien. Là non plus. Des balles de pistolet. Alors ça, est-ce que c'est la chambre? Non, ok, ça c'est la chambre pour sauvegarder. Et C4, logiquement, c'est la chambre où il y a Maria. Tiens, c'est fermé du coup maintenant. Ça, on l'avait lu tout à l'heure. Ou alors c'est celle-ci, la chambre avec Maria, je sais plus. Ouais, c'est celle-ci. Donc la C4 est fermée. Et là, ça y est, l'ambiance commence à changer avec la musique qui est tout de suite plus oppressante. Et on a un monstre quelque part par là-bas. Alors. Là, c'est fermé. Ah, ben voilà, les infirmières. Thank you.
Alors, première remarque, c'est qu'elles ont l'air déjà beaucoup plus coriaces que les deux autres types de monstres qu'on a rencontrés jusque-là. Là, c'est fermé aussi. Là, je sais plus, j'avais testé, c'est fermé. Il n'y a pas d'autre porte, ok, derrière moi. Ok, ça c'est très bien. Alors là, on a cette espèce de respiration dans un masque, pas à la Dark Vador, mais pas si loin. Hop, là il faut un code. Alors, le code est celui qu'on a choisi lors de la réunion d'hier dans la salle des médecins. Comme je disais, interdiction de le noter sur un petit bout de papier. Soyez responsables, les amis. Pyramid Head ? Ah, peut-être, peut-être, qui sait ? Alors, là, on a l'ascenseur qui est bloqué. Là, c'est bloqué. Là, c'est visiblement bloqué. Hein. C'est l'ascenseur de The Big Bang Theory. Ouais, c'est un peu ça. Ah. Ok. Alors là, ça nous dit rien de plus, ça se fiche juste là-dessus, on a une petite musique. Peut-être un souvenir pour James de quelque chose en particulier. Tu n'as toujours pas le fusil à pompe? Non, mais je pense que ça devrait pas tarder. Donc, là, on a une autre porte. Encore cette respiration. Directeur's office. Ah, intéressant. Très intéressant, ça je pas souvenir qu'on avait un bureau de directeur dans le jeu. Alors intéressant, la voix était relativement inquiétante. On dirait presque un portrait de Donald Trump qui riait. Là, c'est fermé. Le message aussi, oui, oui, c'est pas un message qui est très 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 sain, quoi. Alors, voyons voir. Là, on a plusieurs choses. Alors, c'est une fiche d'évaluation, patient 01, enfin, patient numéro 130, pardon. Patient 130, désignation 295.3, chambre S3, transféré en L1, premier symptôme, anxiété intense et continuelle, diagnostic actuel, évolution des symptômes en véritable paranoïa, hallucination visuelle,
Recommandation, dosage supérieur des médicaments, ne pas laisser sans surveillance, à transférer en L1 pour une meilleure surveillance. Ok. Alors, deuxième patient. Donc, patient numéro 90, désignation 298, chambre D1, premier symptôme, hallucination sensorielle. Diagnostic actuel, insomnie, refus de s'alimenter et de boire. Les hallucinations persistent. Recommandation, alimentation et hydratation sous la contrainte. Bain requis à faire dans la salle de soins. Somnifère, surveillance permanente. Ok, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à retourner la fiche tout à l'heure. A priori, il n'y a rien d'autre. Alors, patient numéro 50, désignation 301, chambre C1, premier symptôme, accès de violence soudain, hallucination auditive et visuelle, diagnostic actuel, alors c'est rayé, thérapie actuelle considérée efficace, diminution des accès de violence non provoqués, amélioration des interactions sociales, qu'est-ce que j'ai raté? Recommandation pour suivre la thérapie actuelle, l'eau a un effet apaisant, obsolète. Ok. Mince, c'est pas ça que je voulais voir. Ok, il n'y a rien non plus. Ah oui, ça je me rappelle de ces trucs-là. Ouais. Ok. Donc on a une clé enfermée dans une main. Et là, visiblement, ce qui change, c'est qu'on va sûrement devoir récupérer les bracelets des patients. Si je comprends bien ce que je vois. Ok, rien d'autre. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout flippant, évidemment. Alors, je vais aller voir dans l'autre salle avant. Je sais pas si on a... C'est quoi? C'est un carré rouge? Ou pas? Oui, un autre carré rouge. Assez proche du premier, au final. Enfin, du premier. Du second, dans l'hôpital. Mais c'est pas plus mal. Je préfère en avoir le plus possible. Hop. On a un tableau qui est là encore assez joli mais étrange. Pas d'objet, donc ça doit être la fameuse clé qui est dans le... Enfin, sur le bureau. Et là, on a cette pièce assez étrange qui me fait penser à Twin Peaks, évidemment, les rideaux rouges. Ouh, oui, je me souviens d'un truc comme ça dans le jeu. Mais alors là, il nous manque déjà un bouton. Ouais, là c'est une énigme que je peux pas résoudre pour l'instant parce que j'ai pas assez de. Pas assez de. Bah d'indices, et puis tout simplement j'avais rien trouvé d'autre. Je teste des trucs au hasard. Hein. Et oui, il faut l'objet absolument. Hop. Donc, je sais même plus, je viens de là, si je dis pas de bêtises, oui. Ah, alors on entend plus ou moins des cris. Oui, je viens de là, donc ouais, il faut que je me sente, tourne dans l'autre sens du coup. Donc on a été là, là a priori C1, je sais plus s'il y avait un patient C1 déjà. Oh putain, saloperie. Pardon, ça m'a surpris. Merde.
Ok. Il y a même l'impact de balle du coup que j'ai tiré à côté. Intéressant, je pensais qu'il y aurait quelque chose à ramasser ici. Alors là, on a une autre porte. Oh oh oh. Encore des balles de fusil à pompe. Ah non, des balles de pistolet, ok. Oh, chut. Ça n'a pas été assez rapide. Et j'en ai derrière moi. Merde. Ah, ça va être. Alors faut que je fasse gaffe parce que. Hop, d'ailleurs, on va prendre une petite boisson. Ici. Ok. Alors, L3 exit. Ok, ça nous ramène ici. D'accord, ok. Ça permet de faire un petit raccourci, c'est pas plus mal. Et là, c'est bloqué. Ok. Alors, je sais plus du coup, donc, à la base. C'est vrai qu'on a. On s'est tourné. C1. C1, je sais plus si c'était pas un des trois patients qui était en C1. Ou qui a été changé de la C1, peut-être. Transcription d'entretien avec un patient. Annotation, l'entretien suivant était réalisé avec suite à l'incident numéro 71. Je me souviens d'avoir été allongé dans l'eau, à l'aise et vide, puis je l'ai senti. Je l'ai senti m'observer, je l'ai senti grandir, je devais partir, je devais m'enfuir, mais il m'a emboîté le pas, il continuait d'observer, il fallait que ça sorte, je suis à nouveau vide, à l'aise et vide. On peut retourner dans la piscine. Et là, ça forme un œil en sang. Il y aurait presque des chaussures Adidas. Hop, et là, il n'y a rien. Un tour à Stranger Things. C'est-à-dire. Alors, est-ce que j'ai essayé par là-bas? Je ne sais plus. Ah, pour la piscine, bah oui, oui, je suis bête, oui. Alors, j'ai pas dû essayer par là encore. Hop là! Alors. Ok. J'ai cru que c'était derrière moi, le bruit m'a trompé. Bah, une piscine, ouais, ou du coup, moins de quoi faire un bain, parce que c'était déjà mentionné dans un autre. Merde. Ah, zut. Waouh.
Ok, les infirmières sont vachement plus coriaces, hein. Ok. Là, y a rien. Ok. Alors, où est-ce que ça donne ça? Ok, d'accord, c'était l'autre porte qui était fermée. Qui ramène ici. Ok. Alors, M5 est là. Là, c'est fermé. Alors, ça a l'air. Je sais pas si ça grésille ou si c'est la pluie dehors. Ok. Ouais, c'est la pluie dehors. C'est fermé aussi. M3, c'est fermé. M1, c'est ouvert. M2, c'est fermé. Hop. Ok. Alors là, on voit tout un tas de contentions sur le lit, notamment. Ok, il n'y a rien d'autre a priori. Hein, il y a peut-être quelque chose d'écrit là. Louise. Je crois. You. Ouais, c'est peut-être même pas Louise d'ailleurs, mais si ça y ressemble un petit peu. Là, on a un you, ça c'est sûr. Ouais, je sais pas exactement à quoi ça correspond tout ça. Là, ça doit être fermé. Alors, Patience Room, j'ai pas la clé. Ah, ça grésille. Une aiguille tordue. Et normalement, c'est là qu'on devrait. Ah, tu te souviens de ça, ça y est, ouais. Voilà, le fusil à pompe. Ok, pour vous équiper, ça marche.
Le serment d'Hippocrate. On a une étrange. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le pistolet. Et ça, le fusil à pompe. Je pensais que j'avais ramassé plus de trucs que ça. Ok. Jack, un des posters qui était dans les jeux d'origine. Ils ont vraiment bien recréé les choses, mine de rien. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, cette pièce-là est très, très identique. Ouais, c'est vachement plus efficace. Ça devrait nous faciliter un peu la vie. Alors, à condition d'avoir des munitions, évidemment, parce que s'il en faut au moins deux. Ça va partir vite. Mais, en effet, c'est quand même beaucoup plus efficace. Là, c'est fermé. Oui, puis là je peux pas péter une vitre comme ça. Ah, les escaliers, ok. Ok, ok. Là on a quoi? Non, on n'a pas de documents. Voilà, donc ça va pouvoir nous permettre de faire le tour beaucoup plus facilement. L'escalier, et ben on ira voir après, j'ai envie de dire. Il nous reste quelques salles à faire. Là. Ok, oui, c'est la salle où j'ai pas tourné tout à l'heure. Ça grésille à fond. Alors, trophée obtenu, force brute. Ok. Donc, on a la clé de la L1. Alors, c'est très marrant parce que justement, l'autre jour, je regardais une vidéo, je sais plus si c'est Feldup ou non, c'était Blast avec Pacôme Thielman et j'ai oublié le nom du deuxième intervenant qui parlait du Slenderman, en fait le premier mythe d'internet, et qui disait que l'utilisation de la neige de la télé dans l'horreur est apparue dans la culture populaire de l'horreur au moment où justement la neige des télés cathodiques commençaient à disparaître des signaux, en fait, parce que bah, les télés avaient évolué, etc. quoi. Et en fait, ça a été sauvegardé par la culture populaire et l'horreur, quoi. Et effectivement, c'est un classique qui fonctionne toujours bien, quoi. Et qu'on retrouve à peu près partout depuis assez longtemps, quoi. Le coup de la neige dans la télé, ou de la télé qui fonctionne alors qu'elle n'est pas branchée, ou ce genre de choses, quoi. On a toujours des tableaux très. Ça fait presque un regard derrière selon comment on se range. C'est un truc que ne connaissent pas les jeunes, on est vieux. Bah, ils connaissent à travers, du coup, à travers les jeux, à travers les séries d'horreur, peut-être. Mais on n'est pas vieux, c'est. Techniquement, en fait, c'est même plus vieux que nous, la neige sur les télés, donc.
Oui, nous on l'a vécu en vrai, ça c'est sûr. De toute façon, ils regardent pas la télé, ils sont sur TikTok, donc. Alors, où est-ce que je suis moi déjà là? Ok, et il reste la salle de soins à faire et la L1 aussi avant de monter. Donc la salle de soins qui doit être ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a rien. On a rien, ok. La salle de soins donc, qui est fermée. Et la L1. Eh bien, il faut que je fasse le tour. Logiquement, tu vas y trouver un bracelet. Je l'espère, effectivement, ouais. Hop, ça doit être celle-ci. Voilà. Ça, c'est la chambre parfaite pour nous sauter dessus à un moment donné. Ouais, ça grésille par là-bas. Ouais, elle est grande. Ah, étrange, ça a grésillé, mais... Alors... ok... Maintenant que j'ai le pompe, on me donne plein de balles de pistolet. Je vois pas trop où amener ça. Et pourtant, j'entends comme un bruit de monstre. Hein. Ah bah là, on a clairement un cri. Je sais pas si c'était Laura ou quelqu'un d'autre, mais c'est bizarre que James n'ait pas réagi. Ah, c'est pour monter là, ok, ouais. Alors là, c'est ça aussi, c'est vachement, comment dire, immersif. C'est qu'on entend James qui a, je sais pas si vous l'entendez bien, mais on entend James qui a des trémolos dans sa respiration. On sent qu'il est pas confiant, quoi. Ok. Alors, ils ont amené la fille aujourd'hui. La pauvre, elle n'a pas dit un mot. Elle reste assise, la tête dans les mains, à pleurer, en tremblant. Je l'ai placée dans le lit du coin. Elle semble avoir ça semble avoir calmé un peu. Je crois qu'elle m'a même souri. Là, on n'a rien d'autre. Alors, est-ce que... Donc non, là, ça ne s'ouvre pas. Ok, donc on doit être de l'autre côté de la pièce, en fait. Merde, j'arrive pas à voir où c'est. Ça doit être de l'autre côté encore. Ok, ça s'est pas refermé. Je vais juste faire le tour par là. On ira après. Des balles de pistolet encore.
Et oui, moi qui voulais monter, oui. Ça a l'air mal barré quand même. Oh. Ça pour le coup c'est nouveau, je pense. Ça, je me rappelle pas de ça. Alors, où est-ce que ça nous a amené tout ça là? Ok, là je peux pas aller par là. Alors, ça nous a ramené du coup au rez-de-chaussée, entre guillemets. On entend des pierres qui continuent de. Qui continuent de tomber. Ah, la porte est fermée. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux retourner du coup? Il y a une piscine sur le plan? Oui, en effet, ouais. En effet. Par contre, il faut que j'arrive à sortir du coup. Est-ce qu'on a quelque chose à. Ah, c'est bizarre ça. Ah non, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Ok. Pourquoi ils mettent pas, pourquoi ils me gardent là-dedans avec lui? Ça, c'est pas du tout. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. C'est pas du tout flippant. Je pense que ces moments-là où on regarde et où finalement on a juste cette petite musique, on sait pas trop à quoi ça correspond. Je me demande si ça va pas jouer sur la fin qu'on aura en fait. De trouver ces objets-là, quoi. Ces moments-là. Alors, on est arrivé d'où, en fait? On est arrivé de là. Que je dise pas de bêtises. Oui, logiquement, oui. Et ben voilà, notre premier bracelet. Oups. Ah. Alors, je ne sais pas si c'est la télé. Ah, c'est la télé encore. Alors, excusez-moi, je mets sur pause parce que j'ai mon notre box internet qui fait un petit peu des siennes et du coup, en fait, ça prend le dessus sur la télé. Donc là c'est bon, c'est revenu, je bois juste une petite gorgée et on reprend tout de suite. Hop là. Alors. Ok, donc il y a la. Des documents qui sont tombés et qui laissent voir la porte, évidemment. Alors ça c'était marrant, vous voyez l'ombre quand je tape contre la porte. Voilà.
Alors, je vais peut-être repartir sur le flingue quand même, parce que... Ok. Donc. On va sauvegarder. Un petit coup. Là, on entend du coup que ça a changé, c'est la tempête. Hop là. Alors, parce que là, on a ramassé plusieurs choses. Donc, on a un objet clé. Ok. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'aller voir? La piscine, mais en même temps... Non, je vais remonter. Je vais remonter et je voulais essayer le troisième étage, du coup. C'était quoi déjà? Oui, si, c'était là. C'est ça, mais il n'y a rien de nouveau depuis. Oui, non. Ok. Hop, on va aller au deuxième. Hop, je vais sauvegarder là. Finding Laura? Not yet. How are you holding up? I'll be okay. Just need a bit more rest. James. Thanks for checking up on me. It's very sweet of you. Yeah. Get some rest. I'll be back soon. Je me demande si on peut déclencher d'autres dialogues. Ouais, non, du coup. Non. Et je me demande si ça change la fin du jeu, le fait de revenir voir comment Eva. Ouais.
Hop, 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 que j'en sois là. Merde. Il y en avait d'autres. Hop là. Hop. Ah ouais, il faudra faire pivoter. J'avais même pas vu qu'il y ait des choses inscrites dessus. Mais je peux supposer que c'est comme ça. Bon, de toute façon, il nous faut les autres. Je vais sauvegarder là. Hop, et je vais plutôt prendre le pistolet, parce que vu le peu de munitions qui me reste sur le fusil à pompe. Où est-ce que je voulais aller? Moi, je voulais monter tout à l'heure, donc faut que j'aille sur la gauche. Alors oui, je pourrais aller tout droit, mais sachant qu'il y a des monstres, je vais peut-être éviter. Tiens, vestiaire homme, j'avais pas essayé. On a le tuyau... alors, M5, ok, c'est pas ça. Non, c'est encore après. Ah, zut. Il me semblait que j'avais essayé pourtant, mais... Bah oui, pourtant, j'y étais allé. Pourquoi ça me l'indique pas sur le... Bon, ça me l'a pas indiqué tout à l'heure. Oups. Ah, ça me dit vestiaire femme. Et vestiaire homme, c'était avant. Ok, étrange. Ah, attendez, parce que j'ai l'impression que je me gourais. Bah non, pourtant, c'est bien ça. Bah non, c'est la porte qui est bloquée, j'imagine. Ok, ouais, c'est que ça juste que ça ne me le disait pas. Ok. Hop, on va monter. Alors, avant tout, voir s'il n'y a pas une porte à déverrouiller ou quelque chose comme ça. Là, non. Non, mais on a des balles, c'est toujours bon à prendre. Ah, un autre dessin de Laura, visiblement. Enfin, du moins, ça y ressemble. Avec un oiseau, un corbeau, probablement, qui pourchasse un petit lapin blanc. Ah bah. Alors, on entend Laura qui chante au loin. Je vais encore sauvegarder. Alors, on va aller voir dans les pièces ici d'abord. Oh.
Oh la vache. Qu'elles peuvent esquiver et bloquer aussi mon tuyau. Ouais, elles sont coriaces, ouais. Très coriaces. Hop, je prends un petite boisson de soin. Ok, là y a rien. Là non plus. Là non plus. J'aurais bien aimé récupérer quand même des balles de fusil à pompe, mais bon, tant pis. Ok. Alors, note d'observation, patient 90, jour 1, transfert pour observation, malnutrition, respiration saccadée, évite le contact visuel. Agitation en présence du personnel, affolement au toucher. Jour 2, refus de nourriture solide, sonde nasogastrique requise pour l'alimentation. Administration d'antagoniste de la sérotonine pour réduire nausées et vomissements. Jour 3, bain et alimentation sous contrainte. Préparer la salle de soins à cet effet, mais nutrition aggravée, manque d'oxygène. Alors j'avoue que la sonde nasogastrique pour l'alimentation... ouais, s'il passe par le nez pour aller directement dans l'estomac, mais bon. Ok. Ok, il n'y a rien à récupérer a priori. Ah oui, alors c'est marqué dessus, oui, mais alors par contre, jusqu'où en fait? Ouais, je pense qu'il faut le code de toute manière parce que là, j'ai rien réussi à entendre au son. Ok, donc clé inférieure rez-de-chaussée, ok. On entend toujours que ça chante au loin. Docteur Andrews, nous vous avons fourni les radiographies que vous souhaitiez. Cependant, il semble que le dossier soit incomplet car l'une des radios est introuvable.
Nous enverrons quelqu'un au plus vite quand nous l'aurons retrouvé. Prévenez-moi s'il faut autre chose. Eh ben. C'est pour urgence, ouais. On verra parce que je pense qu'il doit me manquer une radio encore. Si j'étais rendu. Oui, si j'étais rentré là. Oups! Ah bah, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Je savais pas que ça allait faire ça. Donc, apparemment, faut que je fasse gaffe à appuyer sur triangle. Parce que. Qu'est-ce que j'ai pas testé encore? Il doit y avoir le. Ah, je sais plus, c'est l'escalier. Là, il y a peut-être quelque chose en dessous. Non, non. J'arrive plus à me repérer. Oui, je suis allé là. Ok, donc là on a notre point de sauvegarde. Je vais sauvegarder un coup d'ailleurs. Hey, are you okay? Go away! Don't be afraid, I just want to talk. Qu'est-ce que j'ai récupéré là dans mes objets? Cela force, je ne sais plus. La clé pour intérieur rez-de-chaussée au niveau 1. Et puis, ouais, les huiles sont donc ce que du coup je vais retourner niveau 1. Il me considère encore au. Ah bah oui! Faut que je redescende d'un niveau encore, je suis bête. Eh oui, mais alors c'est ça que je pige pas parce que. Bon, on va voir. Ah, et puis non, faut que je fasse le tour par autre part, faut que je reprenne l'ascenseur à la limite. Parce que là, qu'est-ce qui me manquait aussi? La salle de soins. Non. Ok, là j'y étais déjà allé. Ah oui, c'est là qu'il fallait pas que je reste.
Je crois que tout à l'heure, tu pouvais aller sur le toit. Possible, je ne sais plus, je t'avoue. Attends, est-ce que je suis allé là? Oui, je suis déjà allé là. Donc, qu'est-ce que j'avais comme porte? Ah, zut. Je vais regarder tranquillement mon plan. C'était quoi la clé qui manquait? Peut-être vestiaire? Vestiaire, parce que la salle des médecins est encore bloquée. Alors, si j'essaye de passer par là. De toute façon, il y a des monstres partout. Ah, c'est bloqué là. Étrange. Oh merde! Oh merde, sans doute! Merde, mais non, pas ça! Ah. Mais non, putain, Jésus! Ah putain, bah oui! Cours, cours! Oh merde, je me suis fait avoir comme un con là. Sérieux. Et je me demandais si tu n'as pas déjà toutes les radios pour la salle de radiologie. Peut-être, ouais, il faudrait que je retourne voir, effectivement. Et ben ça me ramène là, donc c'est pas trop trop grave. Parce que du coup, on n'avait rien trouvé de plus. Hey, are you okay? Go away. Don't be afraid, I just want to talk. Du coup. L'appareil de radiologie, donc faut que je refasse tout le tour. Hop. Je sais plus si c'est par là. Oui, ça va être par là. Alors, voyons voir. Ok. Donc non, il m'en manque bien une du coup. Il m'en manque bien une. Parce qu'il y en a une qui vient se superposer aux deux autres là qui me restent sur la droite et celle du milieu. À tout hasard, je sais comme ça, mais. Hop. Bon, on a au moins un numéro, le 4. Ouais, puis on a une salle en bas qui n'est pas faite. Non, il faut que je redescende, hein, je pense. Voilà. Ah bah là voilà, le jeu nous redonne un petit peu de balles pour le fusil à pompe.
Oui, c'est vrai que j'ai pas essayé de monter là du coup. Effectivement. Voilà, donc il me manque encore la clé pour aller sur le toit. Là, on peut pas. Non, faut que je redescende, hein. Il faut que je redescende. Alors je m'y perds un peu, je vous avoue. Entre ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, si ça j'avais fait. Alors. Simplement. Ok, on a l'ascenseur qui est juste là. Alors, parce que tout à l'heure je me suis fait avoir un petit peu bêtement. Donc, on a la porte là-bas qui est entourée. Donc en sortant, il faut que j'aille sur ma droite. Et ok, c'est là où je me suis fait avoir tout à l'heure. Ah oh merde, je vais encore me faire avoir là. Merde, merde. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Cours, cours James, cours. Ah là 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 là. Alors je vais me mettre à l'abri ici, 2 secondes. je pense que je vais partir sur une seringue directe.
Donc, oui, puis c'est pas spécialement là où je voulais aller, évidemment. Donc, faut que je reprenne sur ma droite. Et évidemment, elles approchent à tes sauts, Mélodie. Soit elles approchent, soit il y en a d'autres, en fait. Hein. Donc, à la cafétéria, mais j'ai pas de clé de la cafétéria, moi. Qu'est-ce que j'ai comme clé, déjà ? Clé, cour intérieure, rez-de-chaussée. Ok. Cour intérieure, rez-de-chaussée. Donc, cour intérieure, rez-de-chaussée. Alors là, j'avoue que... Cafétéria, débarras-toi de la garde à manger. Ouais, ça peut être que la porte qui est entourée à côté des vestiaires, j'imagine. Parce que après, il n'y a pas 36... Le jardin, oui, mais le jardin, il est vachement loin, en fait. Parce que du coup, là, moi, j'ai toujours la porte de verrouillée près des vestiaires, là, celle qui est entourée. On va voir, de toute façon, faut essayer, hein. Il n'y a pas 36... Merde, elles sont où ? Non, elles sont pas derrière moi. Ok. Derrière, on fait perdre un sacré paquet de vie et de munitions. Alors, ça, c'était quoi? Ok, ouais, les toilettes. Là, on avait dit que c'était fermé. Et là, bah, c'est celle-là. Évidemment. Merde. Vite, prends le truc. Une par une, quand, quand l'espace est pas trop étroit, ça peut aller. Mais dès que l'espace est plus réduit et qu'elles sont plusieurs, ça devient plus compliqué de s'en occuper, quoi. Et merde. Alors. Ah bah là on va pouvoir sortir. Faut juste que je fasse gaffe. Alors encore un incident avec le numéro 50. Il est sorti de la piscine et s'est enfui dans le jardin. Où il s'est fait une mauvaise coupure. Heureusement que j'étais là, il était surexcité et hurlait. Le personnel a dû le maintenir, j'ai eu du mal à le recoudre. Il est de retour dans sa chambre pour l'instant, sous sédatif. Eh oui, parce qu'il doit manquer du fil, justement. Si je me souviens bien.
Mince. Alors, je suis là. Tu te souviens de ça aussi, ok. Parfait. Ok, donc là déjà, ça nous permettra de faire les tours plus facilement. Ils veulent vraiment pas me redonner du fusil à pompe, hein. Non, je sais pas ce que c'est que tout ça, mais c'est dégueulasse. Ah oui, ok, elle est là. Ah zut, je me suis gouré de boutons pour esquiver. Ah zut. Ah zut. Elles sont deux ou quoi? Merde. Waouh. Ah zut. Voilà. Alors. Ouais. Bon. J'en reprends une, du coup. J'aurais mieux fait d'utiliser une seringue directement. Alors, c'est dans les murs en profondeur, l'anti-moisissure s'en débarrasse un temps, mais cette chose réapparaît aux mêmes endroits. On doit entrer là-dedans, tout détruire, et s'il le faut, et tout éradiquer. Ok, ouais, c'est dégoûtant. Encore ?
Oh merde, il y en a deux. Putain. Zut. Oui, un petit peu. Ouais. C'est vrai que c'est y a un petit air des ombres dans Alan Wake, ouais. Effectivement. Alors, je me suis encore quand même bien fait ramasser là. J'essaye de pas trop gaspiller les balles désormais, mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit deux. Alors, parce qu'il y a le couloir que j'ai pas fait, il y a le débarras là. Et je pense que le monstre devait venir d'ici en fait. Le rampant. Ok. Rappelez-vous de vous laver les mains, effectivement. Là, c'est fermé. Et après, je venais de par là. Se nourrir pour sa santé mentale, oui, aux fruits, légumes riches en fibres, aliments complets, acides gras sains, notamment les oméga 3, non, aux aliments ultra transformés, céréales raffinées, viande rouge. Mais alors là, du coup, je reviens... je vais sauvegarder, déjà. Alors, ça fait quand même 2h, presque 15 minutes qu'on joue. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette session. Et on continuera à l'hôpital la prochaine fois, parce que ça fait déjà un bon petit moment. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, et puis on essayera d'aller vers le jardin et la piscine la prochaine fois. C'est vrai qu'il y avait une fenêtre d'ouverte que je n'ai pas prise tout à l'heure, donc on ira voir ça la prochaine fois. Voilà. Merci à tout le monde d'être passé sur le stream, et puis je vous dis à une prochaine. Bonne soirée, ciao.